Ha ha ha, ces copines sont des loseuses. Pourquoi ils sont si méchants? Bande de pleurnichardes. Entrez là-dedans. Votre place est là, avec les araignées flippantes. Au secours! Et voilà! Où est-ce qu'on a atterri? Je comprends pas. Aouh, doucement! Coucou toi! Un enfant! Un vampire! Au secours! Je vais t'aider. Waouh! Des écailles! Je te tiens! Oups! Le vampire m'a mordu! Ouais, c'est trop cool! Enchantée de te rencontrer! Moi aussi! On est de grandes fans! Eh, hey, regarde! C'est pas une bouchée, c'est des strass! Oh non! S'il te plaît, transforme-moi en vampire! Je peux pas te mordre, je suis un vampire vegan! Je mange que de la nourriture à base de plantes! C'est trop nul! Je pourrais jamais être un vampire! Arrête de pleurer comme ça! Bienvenue dans le monde des sirènes! T'as des pouvoirs magiques? Bien sûr! Regarde! Des boucles d'oreilles sous-marines! Waouh, merci! On a gagné des points! Je suis tellement vénère! Oups! On va voir laquelle de nous deux est la plus cool. Les sirènes gagnent toujours! Dans tes rêves! On est maintenant dans le même bateau! Voyons voir! Oh, mais qu'est-ce que je vais faire de toi? Je crois que j'ai quelques idées. Fais voir tes ongles! C'est un vrai désastre! Viens avec moi! J'ai une machine exprès pour polir, parfaite pour les ongles. Faudra passer sur le corps. Regarde, c'est sans danger. Ah hein? Non, c'est pas vrai. Très bien. Cette vieille presse fera l'affaire. J'ai jamais rien vu de pareil avant. Et voilà. Voyons voir. Je vais mesurer la longueur et la largeur. C'est très bien. Maintenant, sors tes griffes. Waouh! Et toi? Allez! Sortez! Ça marche pas! Bah pourquoi? Parce que je suis végane! Mais tu sais quoi? J'ai la frousse! Pense même pas à ça, t'es végane! Alors oublie pas! On va faire quoi de tes ongles? J'ai un plan! On a besoin de l'eau de la mer! La vache! Maintenant, j'ai un océan sur les ongles. Où est passée la sirène? Oh, une brosse! Je vais me coiffer. Oh, elle est coincée! Qu'est-ce que je fais? Aide-moi, s'il te plaît. C'est la dernière chose dont je me soucie en ce moment. Bon, d'accord. Je vais voir si je peux contacter la sirène avec mon smart coquillage. Allô? J'ai besoin de ton aide. Ok, j'arrive tout de suite. Coucou! Qu'est-ce qui t'arrive? Waouh, c'était rapide! Une brosse coincée dans tes cheveux? C'est pas un souci. On pourrait aussi te boucler les cheveux. Terminé! De vraies vagues ondulées. Waouh! Je t'en dois une. Ah, elles veulent la jouer comme ça, hein? Très bien. On va s'occuper de tes cheveux. Oh là là! T'inquiète, je suis douée pour ça. T'as fait n'importe quoi, c'est horrible. Bon, j'avoue. Je suis pas la meilleure dans ce domaine. Comment on va arranger ça? Je sais. Tiens, bois ça. Waouh! J'ai retrouvé ma force. Attention! Les chauves-souris arrivent à la rescousse. Waouh, trop joli! Et j'ai pas oublié les boucles d'oreilles. Merci beaucoup. Je déteste perdre. Attends une minute, mais qu'est-ce que c'est? Je vois du jus de tomate, hein? Du jus de tomate? Oh non! Oh la loose! Mes pouvoirs ont disparu. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? On va trouver quelque chose. C'est la fin! Attention, t'as ton maquillage qui coule. Oh non! Je dois me calmer. Voilà, c'est mieux. Et si je me maquillais, moi aussi? Bien vu! Qu'est-ce qu'on a là?
Allons-y. Maintenant, les yeux. Voilà. J'adore ce que t'as fait. Demande-leur de fermer les yeux. Regardez pas. Allez, jouez le jeu. Ouvrez. C'est fabuleux. Du maquillage? Bonne idée. La la la. La la la. Te voilà. Au secours. Tu t'es un peu trop amusé avec la méduse, toi. Waouh. J'ai du maquillage. Encore un point. Elles sont en train de gagner. C'est pas grave. T'es la meilleure. Oh non, pas de câlin. Qu'est-ce que c'est? Comme ça brille. Où est passée la petite fille? Oh! Qu'est-ce qui se passe? Un poisson l'a attaqué. Waouh! Je vais lui donner un coup de main. Oh! C'est trop lourd! C'est que moi! Je me sens pas bien. Elle a besoin d'aide. Il y en a une qui a mangé trop d'algues. Je suis où? Dans un aquarium. Tu te sens mieux? Super, repose-toi un petit moment. On s'amuse comme des folles. Voyons voir. Ma petite vampire a besoin d'une tenue. Et c'est moi qui vais la confectionner. Oups! J'ai cousu les mauvais morceaux ensemble. Je recommence. C'est bon! Eh oh! Essaye ça! Waouh! C'est trop cool! Merci beaucoup. Encore un point. J'ai rien à mettre, moi. Oh, la pauvre! Je sais quoi faire. Viens par ici. Je vais te faire une tenue d'enfer en un clin d'œil. J'en suis pas si sûre. Tournez! Tadam! C'était vraiment magique. T'es incroyable. Oh, je t'en prie, arrête. Un autre point? Waouh! Ma magie est revenue. Hé, toi, retourne d'où tu viens. Ta robe est fabuleuse. On va commencer les leçons maintenant. Première leçon, le chant. Ah! Maintenant, à ton tour. Ah! La nage. Nickel, tu te débrouilles très bien. La musique. Écoute attentivement. Ça va être du gâteau. Oh non, mes oreilles! La magie de l'eau. Tu peux contrôler l'eau, tu vois? Waouh! Je veux faire pareil. Oups! Va falloir t'entraîner un peu plus. Quand est-ce qu'on commence nos leçons, nous? Je vais pouvoir faire ça, moi. On ne fait pas ce genre de choses. Je sais quoi t'apprendre. Cool! Utilise cette main pour retenir l'eau, tandis que cette main contrôle la vague. Waouh! Oh non, on est devenus des vampires! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? S'il vous plaît, on veut redevenir comme avant! Je veux pas être un vampire! Ok, si t'insistes. Merci, on est à nouveau des sirènes. Mais comment t'as osé nous poignarder dans le dos comme ça? Tout ça, c'est de ta faute! Wow! On va y aller! Au secours! Personne va venir t'aider! Un télo va! Ce tyran recommence à harceler les autres! On va te donner une bonne leçon! Tu vas regretter ce que t'as fait! Vous êtes trop ridicule! Je peux? Magie de l'eau! Ah! Yes! Maintenant, va là-dedans et réfléchis à ce que t'as fait. On a réussi! C'est pas ce que je t'ai appris. On n'utilise pas la magie pour se venger. On est désolé. Sors de là, pardonne-nous. C'est pas grave, sans rancune. Trop mignon! Au moins, elle a retenu la leçon. Ma bague! Oh non! Sœurette, j'ai l'air normal ou pas? Ouais, t'as pas changé. Je dois m'en assurer. Où est mon reflet? Et si j'utilise mon téléphone? Oh non, Frangine, je me suis transformée en toi! Imbécile, c'est la caméra arrière. Je vais regarder mon reflet dans une cuillère en argent.
vous avez raison, je suis toujours la même. Oh non, Sœurette, t'es toute pâle. J'ai une idée. Feu, ouvre un portail vers un magasin de maquillage. Le portail est ouvert. Prends de la poudre pour le visage, du mascara, de l'ombre à paupières. T'as besoin d'un sac? Ouais, merci. Ajoute de l'highlighter et du blush aussi. Merci pour tes achats chez nous. C'est bon. Tu vas payer? Oups. Terre. Ouais, bien sûr. Tiens, prends ça, Frangina. Assieds-toi, on va te maquiller. On va te rendre trop belle. On ajoute du blush ici. Et voilà. Alors, ça donne quoi? C'est beau? Mouais. Oh non, c'est pire que ce que je pensais. Son pouls a disparu. Ça craint. Quelqu'un arrive. Comment attraper les vampires 2.0? Un lustre avec de l'ail, un pieu en bois. Elle est où, oh? Je peux pas me cacher là. Ici non plus. C'est toujours pas ça. Sœurette, cachez-moi! J'ai une idée. Les filles, coucou! Qu'est-ce que vous faites? Une petite journée spa. Oh, comme c'est mignon! Ok, je vous laisse faire. Oh non, on est en retard pour l'examen. Feu, fais quelque chose! Comme tu voudras. Allez, venez! On a réussi! Youpi! Quoi? Hey! Oups, mes crocs sont sortis. J'espère que personne n'a rien vu. T'es un vampire, hein? Non? Alors pourquoi? Oh, arrête tes âneries! Tiens, prends ça. Oh, je le savais! Fais pas ça! Vole ton journal. Je l'ai! Attrape! Colin est amoureux d'un vampire, la honte! Rends-moi ça, c'est mon journal! Va le chercher! Ciao! Mais qu'est-ce que... Colin, arrête de faire l'imbécile! Désolé, professeur! Va en classe! Aujourd'hui, on va apprendre à reconnaître les vampires. Oh là là! Trop cool! C'est la fin! On va commencer par leur coiffure. En gros, ça ressemble à ça. Et voici leur style. C'est la cata! Leur cachette préférée, c'est sous le bureau. Ça me ressemble beaucoup quand même. T'es un vampire! Je dois sauver ma sœur! Quoi? Portail! Waouh, professeur! Pose-moi! Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Excusez-moi! J'ai une idée! C'est un vampire, y a pas de doute! Mon tableau d'enquêteur. Je vais épingler sa photo au milieu. Où est ma valise? Je devrais changer la serrure. On peut pas attraper un vampire avec une souricière. Pourquoi pas une batte? Peut-être une autre fois. Des nunchaku? Non, ça va pas le faire. Un déguisement, mais bien sûr! Chut! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maman, cachez-moi! Je sais quoi faire. On va prendre du lierre. Oups! Hé, hey, les enfants, où est votre sœur? Elle mange. Dans la douche! Elle était sous la douche et maintenant elle mange. C'est merveilleux. Je vous aime, amusez-vous bien. Piou! Les filles, je vous en dois une. Waouh, on m'a proposé un date! C'est qui? N'y va pas, il est chelou. Arrêtez! Je sens que c'est mon âme sœur. C'est l'amour, quoi. Sœurette, arrête, tu peux pas y aller. On te laissera pas partir. Non, non! Vous savez quoi? Vous ne pourrez pas m'arrêter. Elle s'est enfuie, on doit la rattraper. On fait quoi maintenant? J'ai un plan. On va se métamorphoser. T'es vraiment un rabat-joie. Et c'est toi qui dis ça? T'as pas de cœur. Et toi, t'es égoïste. Ça suffit! Attends! Assieds-toi. C'est super joli. Toi, t'es jolie. C'était pas la bonne table, ils sont déjà là. J'aime bien ta barbe. Waouh, ils se tiennent la main. Vas-y, le lierre, à toi de jouer. Je vais lui enlever sa barbe. Ta barbe? Ça arrive parfois. Ça marche pas. Oublie ça.
J'ai une meilleure idée. On va réchauffer l'ambiance. Oups. C'est toi? Comment t'as osé? Tu vas le regretter. Je dois y aller. Je suis contente que vous soyez venus. C'est le moins qu'on puisse faire. Coucou maman. Salut les filles. J'avais justement besoin d'un petit coup de main. Bye. Attends, reste là. Faire une tarte à l'ail, c'est pas une tâche facile. Coupe l'ail en dés, s'il te plaît. J'ai pas de couteau. Quelle feignante! Tiens, prends ce couteau. De l'argent pur? Oh la vache! Elles sont jamais là quand on a le plus besoin d'elles. Comment on va s'en sortir? Oh, va commencer à devenir suspecte. J'ai dû renifler de l'ail et tenir un couteau en argent. Oh, une invite à une fête secrète pour vampires. Quoi? Oh non! Oh si! T'iras pas là-bas! J'y vole! Cette chauve-souris est trop rapide. D'abord, on a besoin d'un portail vers un magasin de déguisement. C'est bon! On a nos capes de vampire. Et les crocs? Je les ai! C'est parti pour la fête! C'est de vrais vampires? Vaut mieux pas que tu boives ça. Hé, hey, Serette! C'est lui qui a organisé la soirée. Et elle, c'est mes sœurs! Enchantée de vous rencontrer. Vous voulez faire une séance photo? Regarde l'appareil photo, ces photos sont d'enfer! Merci! Souris! Waouh, la couleur ressort trop bien! Suivante! Voilà! Nickel, bouge pas! Vous avez déjà bu un verre? Toi, tu viens avec moi! Bienvenue! Qu'est-ce que tu veux? Mords-moi et transforme-moi en vampire! Non! Bah pourquoi? Allez, vas-y! Bon, d'accord, je vais le faire. Oh, un chien? Serait, tu dois trop voir ça! Te ira ici, terre là. J'ai tout planifié. Hé, hey, vous allez où? Oh zut! Tout le monde s'en fiche de mon plan. On va nettoyer tout ça. Ce lit devrait être déplacé. Attends, je vais le bouger. C'est bon. Lierre, aidez-moi. Super. Je vais commencer à laver le sol. Je vais déplacer l'étagère avec un vent puissant. Ou pas? En se basant sur le plan, ça devrait aller ici. Oublie ce plan! Improvise! On va mettre le lit ici. Mais on doit le monter? Je m'en occupe. Je le tiens! Feu, dépêche! J'arrive! Oh non, ça passe pas! Ça va rentrer! Qu'est-ce que c'est? Je vais souder les parties ensemble. Une seconde. Un cierge magique fera l'affaire. T'inquiète. On y est presque. Ouh! Terminé. Ça tient bien, beau travail. Oh! Ouf, il fait chaud. Je vais souffler sur toi. Ah, merci. J'ai trouvé des bâtons. Maintenant, on fait quoi? On va les planter dans des pots. Ajouter de la terre. Et faire pousser un lit en bois. Pousse, pousse! Ça a marché! C'était un abricotier? Je vais le repeindre. Je veux que mon lit soit de la couleur d'une rivière. D'un lac. J'ai trouvé la nuance parfaite de vert.
Il manque quelque chose. Un rideau? La magie de l'air va aussi m'aider pour l'éclairage. Coucou les nuages! J'ai juste besoin de la lune et des étoiles. Moi aussi je veux! Je sais, un rideau bleu ciel. Avec un arc-en-ciel. C'est parfait. Waouh! Qu'est-ce que je peux faire, moi? Je sais! Je vais faire pousser de l'herbe. Et décorer mon lit avec. Parfait! Il me faut plus de lumière. Et je vais planter ça à côté de l'escalier. Allez, allez, poussez mes petits! Et voilà! On va installer l'arbre au milieu. Oh zut! Personne n'aime mon plan. Et mon lit est toujours pas fait. Je suis tellement furieuse! Waouh, c'est plutôt pas mal! Cachons-nous! Je suis désolée, mais au moins mon lit est prêt maintenant. Il me faut plus de flammes, même si elles sont en papier mousse. Je vais en découper et faire un cadre pour mon miroir. Waouh! Je vais l'accrocher juste là. Oh, j'allais oublier! Une guirlande de lumières ardentes. C'est magnifique! Moi aussi, je veux décorer ma chambre. Je vais regarder dans mon sac. De la pâte à modeler et des plumes. Parfait! Je vais faire un oiseau en pâte à modeler. Et ajouter des plumes pour faire des ailes et une queue. Le vent est toujours avec moi. Cette souche est trop lourde. Oh! Attends voir un peu, toi. C'est bon. J'ai une horloge en bois parfaite. Tu peux aller juste là. Oh, j'ai faim. Et c'est pas encore l'heure de manger. Je vais devoir déplacer les aiguilles. Ça y est, c'est l'heure. Miam, trop bon. Tout le monde est occupé. Et je peux même pas descendre toute seule. T'as besoin d'aide? Je sais quoi faire. Ce toboggan va te permettre de descendre. On va juste s'assurer qu'il est bien fixé. Merci, Sœurette. Wouhou! Un vrai toboggan aquatique. R, tu veux bien gonfler cette piscine pour moi? Bien sûr! Mais faut que tu m'aides. Je pompe! Ça marche, tu l'as gonflé? Merci! De rien! Pouf! La piscine va aller ici. Mais comment je vais aller dedans? Oh. R, aide-moi encore! Tu veux bien me donner un coup de pouce? What? Ok! Envole-toi! Trop cool! Je vais accrocher une guirlande de méduses au-dessus de ma piscine. Hé, j'ai une autre idée! Je vais mesurer la longueur, la largeur et la hauteur. J'ai trouvé une corde et une planche. Je vais les attacher ensemble. R, fais un nœud bien serré. Je vais en faire un de l'autre côté aussi. Maintenant, on a une balançoire. C'est génial! Parfait. Je vais faire apparaître un signe de mon élément. Et décorer l'arbre avec. Je vais ajouter mon propre symbole. Excellente idée! Voilà le mien. Et je vais ajouter le mien aussi. Maintenant, on est unis.
Cette pomme est tellement juteuse. On a un peu faim. Vous voulez une pomme? Attendez! Je vais enterrer le trognon et utiliser mes pouvoirs magiques. Oh, mais c'est trop cool! Waouh! Maintenant, je peux récolter des pommes. Bon app! Délicieux. Et si je plantais un téléphone? Un arbre à téléphone va pousser comme ça. Je me demande combien de temps ça va prendre pour pousser. Ça prend trop de temps! Bon, ça sert à rien. J'abandonne. Hein? Feu, est-ce que tu viens sérieusement d'essayer de faire pousser un arbre à téléphone? T'es dingue! Bah au moins j'ai essayé quelque chose. Le film va commencer. Il nous faut du pop-corn. Passe-le à feu. Merci. Hein? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que vous regardez? Fais cuire le pop-corn! Pourquoi vous l'avez pas dit plus tôt? Verse-le dedans. Waouh, il pleut du pop-corn! Bon appétit! La soirée film est tout de suite plus sympa. Y'a quelqu'un à la maison? Salut! Comment on veut... Tu veux quoi? J'aimerais bien voir ce que vous avez fait de cette pièce. Ben regarde! Ouah, mais c'est incroyable! J'ai jamais rien vu de tel. Je l'achète pour 10$. Ouais! Non! Et maintenant? Ça marche! Non! Je paierai n'importe quoi. Non, cette pièce n'a pas de prix. Et en plus, elle n'est pas à vendre. Peut-être qu'on devrait la vendre. N'y pense même pas. Oh non! Notre chambre est la meilleure du monde entier. C'est l'heure d'aller à la douche. Attends un peu. Moi d'abord. Oh! Désolée, mais ce sera moi en première. J'étais là avant vous. C'est moi qui vais aller à la salle de bain. Je vais péter un câble. Oups. On est où? Je voulais juste prendre une douche, moi. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est un volcan? Bien joué, feu. C'est mon bain de lave volcanique. Balaye pas, tu risques de brûler. Je vais aussi me trouver quelque chose de spécial. Comme par exemple, une baignoire en forme de nuage. Trop stylé! R, ta baignoire est géniale! Nous aussi, il nous faut notre propre bain. Ces pierres vont décorer ma baignoire. Pourquoi elles sont si lourdes? Et si j'utilisais la magie du feu? 1, 2, 3! Plus il y a de pierres, mieux c'est. Et des petites flammes aussi. Je peux même raviver la flamme d'un cœur de pierre. Maintenant, je vais pouvoir prendre mon bain. Il reste une dernière flamme. Allez, au boulot, bébé. Waouh, merveilleux. Et je vais mettre ma serviette là. Waouh, c'est d'enfer. Je vais faire un selfie pour me rappeler de ce moment. Je vais mettre mon bain ici. Pouvoir des éléments, aide-moi. Waouh, canon. Faut qu'on fasse un trou pour avoir de l'eau. Tu devrais prendre une hache. Waouh, ça a marché! Top là! Avoir sa propre baignoire, c'est vraiment génial. Pas besoin de la partager. Vous êtes encore là?
Dégagez de la salle de bain, il y a la queue dehors. Oups. C'est bon, on s'en va. J'ai trouvé une carte, allons-y.